It's actually the director of talent and content at the Annenberg Space for Photography. This work is really about the subconscious. It's about images that don't exist in reality. A lot of these images, they are something that exists in the imagination. Paul Lang, who said, I was in shooting fashion for many years. That was my genre. And Photoshop came in, and things started changing so drastically, that I ended up leaving my career in fashion to do fine art photography. J'ai un oncle qui m'a emmené dans sa chambre noire voir comment il révélait ses photos. Et l'apparition de l'image dans le révélateur, ça a été pour moi une affaire de magie. Donc, j'ai fait de la photo publicitaire pendant 30 ans. Et quand le numérique est arrivé, ça a été enfin ce que j'attendais depuis 30 ans, la possibilité d'avoir un art total. C'est-à-dire qu'en fait, d'être photographe, ce qui était quand même ma vocation de base, et de retrouver le côté magique, donc de recréer un monde d'illusions. Si par exemple le personnage du dessous souriait, l'animal, il sourit aussi quelque part. Parce que sinon, le langage du corps ne correspond pas avec l'expression de l'animal qui est dessus. Et j'ai essayé de faire ça avec la photo, tout en sachant que c'est plus vraiment des photos, quoi, puisque les photos de base qui sont anciennes et en sépia, je les peins à la manière d'un peintre, en fin de compte. Et je mets des textures dessus pour que ça ressemble à des peintures, quelque part. Donc c'est de la photo, c'est de la peinture, c'est un mélange des deux, mais en tout cas c'est numérique, quoi. Et j'essaie que ce soit drôle, parce que j'aime rire et que voilà, quoi. Puis je veux montrer le côté positif des animaux. Je m'amuse et quand je les vois, si je suis pas content, si ça m'amuse pas le résultat, c'est que j'ai pas atteint vraiment le résultat. J'avais que moi sous la main. Et ensuite, comme je débutais, j'estimais que j'étais pas assez satisfait de ce que je faisais pour imposer à d'autres personnes de poser pour moi ou de faire des tentatives sur eux. J'aime bien qu'il y a deux niveaux de lecture dans une image, c'est-à-dire on a une première impression. Et ensuite, il y a un détail, là c'est un gros détail dans ce cas précis, mais souvent il y a un petit détail qui fait qu'on voit autre chose de différent et qu'il y a autre chose qui passe dans l'image.